ne devez rien à personne, si ce n'est de vous aimer les uns les autres. Car celui qui aime les autres a accompli la loi. En effet, les commandements, tu ne commettras point d'adultère, tu ne tueras point, tu ne déroberas point, tu ne convoiteras point. Et ce qu'il peut y avoir se résume dans cette parole. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Verset 10, l'amour ne fait point de mal au prochain. L'amour est donc l'accomplissement de la loi. Bien-aimé, le Seigneur m'a mis à cœur de prêcher en cette nouvelle année qui commence sur le thème de l'amour. Donc, on va commencer aujourd'hui et un peu, je vais vous entretenir sur l'amour afin que nous puissions être à l'image de notre Père. La Bible déclare que Dieu est amour. Le Dieu que nous adorons est un Dieu d'amour. Et comme je le disais ici, le jour de la consécration du pasteur Mampo, et c'est valable pour tout le monde en tant que chrétien, c'est-à-dire en tant que chrétien, en tant qu'enfant de Dieu, on peut tout te reprocher. On peut te critiquer sur tout. On peut dire, il va à l'église et puis il aime pas l'âme, c'est pas grave. On peut dire, il a la colère en lui, ça c'est pas grave. On peut dire, il va à l'église et puis il se cache pour boire, ça c'est pas grave. On peut prier pour toi, mais il y a une chose qu'on ne doit jamais te dire, c'est qu'il va à l'église, mais il n'a pas l'amour en lui. Il va à l'église, mais son cœur est noir. Il va à l'église, mais il est méchant. Ça, c'est des choses, des défis que vous devez vous lancer vous-même. Dans votre marche avec Dieu, vous devez explorer la voie de l'amour. Et vous devez vous décider vous-même à marcher dans l'amour. Parce que votre Père qui est dans les cieux, c'est un Dieu d'amour. Si tu demandes à un païen dans la rue qui est Dieu, la première chose qu'il va te dire, c'est que Dieu est amour. Alléluia. Dieu est amour. Et donc, je veux me permettre, pendant deux ou trois dimanches, de vous enseigner à chaque fois, de nous enseigner sur le sujet de l'amour, afin que nous soyons des enfants de Dieu véritables, des enfants de Dieu qui ne sont pas forcément riches. Ça, ce n'est pas le signe par lequel on reconnaît un enfant de Dieu, mais qu'on nous reconnaisse par nos valeurs et par la blancheur du cœur que Dieu nous a donné. Alléluia. Et c'est ce qu'on va commencer aujourd'hui. Bien-aimé, la Bible dit, ne devez rien à personne, si ce n'est de vous aimer. En tant qu'enfant de Dieu, vous devez comprendre une chose qui est claire. Dans vos rapports avec tous les hommes qui existent sur cette terre, vous devez être dans une position où vous ne devez rien devoir à un homme. Lorsqu'on dit ne devez rien à un homme, ça parle certes des dettes qu'on appelle crédit et tout ça. Mais ça veut dire dans vos rapports avec les hommes, vous devez faire en sorte de n'avoir rien à devoir aux hommes, ni dette financière, ni dette morale ou quoi que ce soit. La seule dette que vous devez avoir envers des hommes, envers votre prochain, c'est la dette de l'amour. La dette de l'amour. Dieu dit ne devez rien à personne si ce n'est de vous aimer vous tous les uns les autres. Ça veut dire qu'en tant que des êtres humains, tant que nous sommes sur la terre, nous avons une dette d'amour envers tous les hommes qui existent. Qu'ils connaissent Jésus, qu'ils soient chrétiens, qu'ils soient païens, qu'ils soient un criminel, en tant qu'enfant de Dieu, vous lui devez de l'amour. C'est-à-dire, il a crédit d'amour sur toi. Donc, en tant que des enfants de Dieu, vous devez aimer tout le monde, tous ceux qui existent sur cette terre, tous ceux qui vivent sur la terre, vous et moi, nous avons une obligation de les aimer.
nous avons un crédit d'amour envers eux. Nous devons les aimer obligatoirement. Donc, en tant que des enfants de Dieu, la seule chose que nous devons cultiver dans nos cœurs, c'est l'amour que nous devons avoir pour tous les hommes qui marchent sur la terre des hommes. Et l'un des principes de l'amour, de la marche dans l'amour, c'est que l'amour, comme le dit le verset 10, ne fait point de mal à son prochain. Bien-aimé, que ce soit à l'église ou hors de l'église, toutes les batailles auxquelles vous assistez, auxquelles nous assistons, des églises qui se divisent, des églises où des gens divorcent, se remarient, des frères qui ne se parlent pas dans l'église, tout ça part d'une seule chose, d'une méconnaissance du principe de l'amour qui doit régir les rapports entre les enfants de Dieu que nous sommes. Bien-aimés, nous devons nous aimer entre nous. Le monde qui est là-bas ne connaît pas Christ. Le monde ne connaît pas Christ. Dans le monde, chacun vit comme il veut. Dans le monde, chacun fait ce que bon lui semble. Ceux qui sont dehors ne connaissent pas le Seigneur. Ceux qui sont dehors ne connaissent pas Jésus. Donc, ils ont une façon de marcher qu'ils ont appris depuis qu'ils sont petits. Ils ont une façon de marcher qui n'a rien à voir avec la volonté de Dieu, avec les principes de Dieu. Mais nous qui connaissons le Seigneur, nous qui avons connu Jésus, à un moment donné de nos vies, nous devons faire la différence. Pas avec les grosses voitures, pas avec les beaux costumes, mais en tant que des enfants de Dieu, nous devons décider aujourd'hui, dans notre génération, d'être reconnus comme des gens qui ont de l'amour. Décidons-nous à marcher dans l'amour. Il y a des païens qui sont morts aujourd'hui. Des gens comme Gandhi qui étaient des païens. Des gens comme Mère Teresa. Mais ces personnes-là aujourd'hui ont quitté la terre, mais ont laissé une marque derrière elles. Et cette marque-là, c'est le grand amour que ces personnes-là ont donné à leurs semblables. L'amour dans lequel ces personnes-là ont vécu ont fait que, bien qu'elles n'étaient pas nées de nouveau jusqu'à aujourd'hui, que ce soit des chrétiens, que ce soit des païens, tout le monde reconnaît les traces de ces personnes-là. Et bien aimé, l'amour de Dieu ne fait point de mal à son prochain. Tous les hommes qui existent sur la terre sont nos prochains. Ton prochain, ce n'est pas que ton frère en Christ qui est assis à côté de toi. Ton prochain, c'est celui qui est assis présentement dans le coutoucoudrome, qui est saoulé, même qui insulte Jésus. Celui-là, c'est ton prochain. Tous les hommes qui vivent sur la terre sont tes prochains. Et en tant qu'enfant de Dieu, tu as une dette d'amour vis-à-vis d'eux. Et lorsqu'on aime les gens, lorsqu'on décide de marcher dans l'amour, on ne fait pas du mal à son prochain. L'amour ne fait pas du mal aux hommes. L'amour décide de ne pas faire du mal aux hommes. Dans vos actes, dans vos actions. Lorsque vous voulez poser une action, prenez toujours le temps de vous poser la question de savoir quel impact cet acte que je veux poser, que je veux accomplir, peut avoir sur mon semblable, sur mon prochain. Lorsque vous décidez de marcher dans l'amour, lorsque vous décidez de marcher dans les pas du Seigneur et de ne vivre que dans l'amour du prochain, vous ne pouvez faire aucun mal à aucun homme qui existe sur la terre. Si tu prends la décision d'aimer le frère qui est assis là ou la sœur qui est assise là, il y a des choses que tu ne pourras pas faire à cette personne. L'amour de Dieu ne fait aucun mal. Quand tu décides de vivre dans l'amour de Dieu, tu n'as pas le courage de venir voler ton prochain. Si je décide de marcher dans l'amour envers le pasteur Mampo, je ferai en sorte que toutes les actions que je dois accomplir dans sa vie soient des actions qui lui font du bien, des actions qui le relèvent, pas des actions qui le détruisent.
C'est pourquoi la Bible dit, la marche dans l'amour, c'est l'accomplissement de la loi. Marcher dans l'amour, c'est accomplir la loi. Lorsque tu décides de marcher dans l'amour, ce n'est même plus nécessaire que tu ailles voir dans la Bible. Le commandement a dit de ne pas insulter quelqu'un, de ne pas voler quelqu'un. Ce n'est pas nécessaire parce que tout se résume dans la marche dans la loi. La Bible dit l'amour ne fait point de mal. On dit point de mal. Ça veut dire il n'y a rien qui justifie qu'un homme, qu'un enfant de Dieu puisse poser une action qui va faire du mal à son prochain, fût-il chrétien ou païen. En tant que des enfants de Dieu, vous devez vous abstenir du mal. Alléluia. Alléluia. Lorsque tu aimes ton épouse, lorsque tu dis que tu aimes ton épouse, tu n'iras pas aller coucher avec une autre femme. Parce que en le faisant, en posant cette action, tu es en train de faire du mal à ton épouse. Lorsqu'elle va entendre, lorsqu'elle va apprendre cette nouvelle, son cœur sera brisé. Elle aura mal au cœur. Donc l'amour de Christ que tu décides, dans lequel tu décides de marcher, fait que tu te jures à toi-même de ne point faire de mal à qui que ce soit. L'amour ne fait point de mal aux hommes. Alléluia. Regardez, dans Luc chapitre 9, à partir du verset 51, la Bible déclare que Jésus allait à Jérusalem. Et sur la route, il a envoyé ses disciples pour aller le précéder sur la route dans un village qui appartenait à des Samaritains. À l'époque, les Juifs et les Samaritains, là, ça n'allait pas en eux. Ils ne se fréquentaient pas, ils étaient comme des ennemis. Donc lorsque les disciples de Jésus arrivent dans la ville et qu'ils informent les Samaritains que mais on a notre boss qui arrive, il s'appelle Jésus, c'est un Juif. Donc préparez une chambre, s'il vient, il va dormir. Les Samaritains ont refusé le logement au Seigneur. Et la Bible dit que ces deux disciples qui étaient là ont demandé à Dieu, « Seigneur, est-ce que tu veux qu'on commande le feu du ciel pour consumer tout ça, gâter le coin, parce qu'ils ont foutaise ?» Le Seigneur qui était dans la peau des hommes et qui a voulu enseigner aux hommes la marche dans l'amour leur a dit, « Vous ne savez pas de quel esprit vous êtes animé. Vous ne savez pas quel esprit qui vous anime. » Parce que le Fils de l'homme n'est pas venu pour perdre les âmes, n'est pas venu pour détruire les hommes, mais le Fils de l'homme est venu pour sauver les âmes. Donc, en tant que chrétien, votre mission, ça doit être de sauver les âmes. Ça doit être de sauver des hommes. Lorsqu'on cherche à sauver quelqu'un, on ne détruit pas cette personne. On ne cherche pas à sauver une personne en tuant la personne, en la volant, en la faisant tomber dans le péché. Tu sais que cette personne, cette jeune fille qui passe, peut-être qu'elle est faible, elle a une faiblesse, elle a une certaine maladie spirituelle qui fait qu'elle a la faiblesse de se coucher en bas des hommes. Toi, en tant qu'un enfant de Dieu, qui est tenu de marcher dans l'amour de ton prochain, tu ne peux pas venir faire comme tout le monde et venir te camoufler pour aller salir son intimité. Tu es obligé de te mettre dans une position où même si tout le monde va vers elle facilement pour voir son intimité, mais toi en tant qu'un enfant de Dieu, ton rôle c'est de ne poser aucune action qui puisse faire du mal à ton prochain. Tu dois te dire, mais si je vais comme les autres pour aller avec cette jeune fille qui est moralement faible, non seulement je lui fais du mal, mais en plus, je trace sa route vers l'enfer parce que je suis en train de commettre l'impudicité avec elle et je vais la condamner. Alléluia. Donc, l'amour que tu as en toi fait que toutes tes actions sont pesées, sont calculées dans le sens uniquement de faire du bien à ton prochain. De sorte que lorsque tu veux faire quelque chose et que tu te rends compte que cette chose-là va faire du mal à ton prochain, tu t'abstiens de le faire. L'amour ne fait point de mal à son prochain. Les divisions qu'on a aujourd'hui dans les églises, les palabres qu'on a aujourd'hui dans les églises, partent simplement du fait que les gens ne connaissent plus ce que c'est que l'amour de Dieu. Tout le monde est préoccupé par la réussite. Tout le monde est préoccupé par le matériel. Revenons au christianisme. Revenons à la parole de Dieu.
revenons à la Bible et décidons en cette année 2019 d'être des enfants de Dieu. Des enfants de Dieu qu'on reconnaît par le grand amour qu'il manifeste pour le monde. Des enfants de Dieu qui s'aiment entre eux. Quand on aime une personne, on ne critique pas la personne. Quand on aime une personne, même lorsqu'elle commet des fautes, même lorsque la faute est avérée, on s'assoit là-dessus. Parce que si tu fais sortir la faute, tu détruis son image. Si tu fais sortir la faiblesse de l'autre, tu détruis son image. Vous savez qu'il y a des gens qui se suicident à cause de la honte. Il y a des gens qui se suicident à cause de la honte. Il y a un chanteur païen à l'époque, je ne dirais même pas son nom, qui avait des chansons romantiques à l'époque qui ont bercé notre enfance, quand on était encore dans le monde. Et ce chanteur, il était impuissant. Et un jour, on ne sait par quelle magie, quelqu'un a sorti l'information et c'est entré et ça a pris la presse. Lorsque c'est sorti dans la presse, ce chanteur-là, il s'est suicidé. Malgré la gloire, malgré la richesse dans laquelle il était, mais pour lui, la vie n'avait plus de sens que de savoir que, par exemple, toute la Côte d'Ivoire sait qu'il est impuissant. Il s'est suicidé. Donc, c'est en cela que les petits rapports peuvent être très, très dangereux dans votre marche entre des enfants de Dieu. Laissez ça aux païens. Laissons ça aux païens. Laissons les païens détruire les autres. Nous, nous sommes la lumière. Ayons ça en tête, que l'amour ne fait point de mal. Ça veut dire un enfant de Dieu ne fait point de mal à son prochain. Quand tu comprends ça, tu ne voles plus ceux qui t'ont embauché. Même quand tu as l'occasion de voler, tu ne voles plus tes patrons. Quand tu comprends ça, il y a des choses dans lesquelles on ne peut plus te trouver. Quand tu décides de marcher dans une marche d'amour, il y a des choses dans lesquelles les gens feront des enquêtes, ils ne te trouveront pas là-dedans. Demande-toi simplement avant chaque action, ce que je veux faire là. Est-ce que ça fera du bien à mon frère? Est-ce que ça fera du bien à cette personne, même à ce païen? Ou est-ce que ça lui fera du mal? Alléluia. Alléluia. Marchons dans l'amour, bien-aimé. En 2019, marchons dans l'amour. Je veux que cette église soit une église où l'amour de Dieu est manifesté. Marchons dans l'amour. Aimons-nous les uns les autres. Si tu vois ton frère qui est dans une faiblesse, que tu peux l'aider, va l'aider. Si tu vois ton frère qui pose des actions qui sont mauvaises, couvre ses fautes. Ne l'expose pas. On n'expose pas les hommes. On n'expose pas ses frères. On n'expose pas les païens. On n'expose personne. On n'expose personne. Couvrez-vous. Couvrons-nous. Marchons dans l'amour. La Bible dit, Jésus disait, lorsque vous marcherez dans l'amour, à ce signe-là, les païens même vont voir que vous êtes mes disciples. Ça veut dire que les enfants de Dieu, on les reconnaît par l'amour qu'ils manifestent. On les reconnaît par leur cœur qui sont blancs. Et moi, je ne veux pas, dans cette église-là, qu'on soit divisé. Je ne veux pas qu'il y ait la méchanceté au milieu de nous. Je ne veux pas qu'il y ait des pensées qui ne proviennent pas de Dieu au milieu de nous. Même si nous n'avons rien, même si on ne mange pas, mais marchons dans l'amour. Décidons-nous à vivre une vie dans l'amour. Décidons-nous à ne point faire à personne des choses qui sont mauvaises. C'est à toi de prendre la décision. Ce n'est pas une affaire de prière. Dieu ne va pas venir faire ça pour toi. C'est toi-même qui dois décider. Tu dois dire, Seigneur, en cette année 2019, j'ai compris que l'amour ne fait point de mal à son prochain. J'ai décidé, Seigneur, voici ma main. Que ce soit dans mes paroles, que ce soit dans mes pensées, que ce soit dans mes actions, je ferai en sorte de ne blesser personne et de n'avoir le sang de personne dans mes mains. C'est cela l'amour bien-aimé. La Bible dit, quel que soit ce que tu as, quelles que soient les prophéties que tu donnes, quelles que soient les révélations, les paroles de connaissance que Dieu te donne, quelle que soit la puissance de l'onction qui est sur toi, s'il n'y a pas d'amour en toi, la Bible dit que ça ne sert à rien du tout. Alléluia. Alléluia. Aimons-nous les uns les autres, mes frères. Aimons-nous les uns les autres.
rejetons le mal, séparons-nous du mal. Toutes les fois que tu fais du mal à quelqu'un, tu n'es pas en train d'agir selon le principe de Dieu. Tu es en train de laisser le diable t'utiliser. Parce que c'est le diable, la Bible dit dans Jean 10, verset 10, que le diable, sa mission, c'est de détruire, c'est de tuer et c'est d'égorger. Donc tout ce que tu fais, détruit l'autre. Tout ce que tu fais du mal à l'autre ne vient pas de Dieu. Alléluia. C'est pourquoi maintenant dans nos églises, nous avons des frères et sœurs qui viennent à l'église, ils ne veulent pas parler à quelqu'un. Ils s'asseyent, ils suivent leur culte, ça finit, ils tournent leur dos, ils s'en vont. C'est dimanche prochain quand vous les retrouvez. Ils ne parlent pas à quelqu'un, quelqu'un ne salue pas, il ne salue pas quelqu'un, mais on est dans l'église. Ça, ce n'est pas une bonne façon de faire, mais c'est dû simplement au fait qu'au milieu des enfants de Dieu, certainement où ces personnes sont passées, il y a eu trop d'expériences mauvaises. Il y a eu trop de critiques, trop de calomnies, trop de méchanceté. Et ces personnes-là, aujourd'hui, ont décidé de se fermer à leur prochain. Ce n'est pas ça la solution, mais ça dépend de vous et moi. Prenons la décision de vivre une vie dans l'amour. Alléluia. Prenez la décision en 2019 de marcher de telle sorte que là où on parle de faire du mal à quelqu'un, là où on parle de détruire quelqu'un, là où même on parle d'exposer les fautes des autres, on ne puisse jamais vous trouver là-bas. Lorsque des gens commencent à médire de leur prochain, lorsque les gens commencent à exposer la nudité des autres, faites en sorte qu'on ne vous trouve pas là-bas. Alléluia. Faites en sorte qu'on ne vous trouve pas de ces choses. Soyons des hommes et des femmes pleins d'amour. Soyons des hommes et des femmes dont le cœur est débordant d'amour. Marchons dans l'amour, mes frères et sœurs. Je vous en supplie. Marchons dans l'amour. Parce que lorsque des gens refusent de marcher dans l'amour, les personnes-là se détruisent elles-mêmes. Lorsque des gens complotent le mal ou complotent la méchanceté contre leur prochain, ces personnes-là ne durent pas sur la terre, frère. Alléluia. Si vous voulez durer sur la terre, ayez un cœur plein d'amour. Ne faites du mal à personne. Ne faites du mal à personne. Ça, c'est un secret que je vous donne aujourd'hui. Ne faites du mal à personne. Même votre ennemi, ne faites point du mal. Même à votre ennemi, refusez le mal. Refusez que vos mains et vos bouches soient impliquées dans quelque mauvaise chose que ce soit. Refusez ces choses. Éloignez-vous de ces choses. Quand Dieu dit l'amour ne fait point de mal à son prochain, ça veut dire ce que ça veut dire. Il n'y a pas une partie où il a dit que oui, si ton prochain te parle mal là, tu peux lui faire du mal. Ça n'existe pas. Il n'a pas dit si ton prochain ne te, parce qu'il ne te salue pas là, tu peux lui faire du mal. Il dit l'amour ne fait point de mal à son prochain. Quand Dieu dit point, ça veut dire jamais. Ça veut dire, il n'y a aucune circonstance que tu peux invoquer pour justifier à Dieu le bien fondé du mal que tu as fait à l'autre. Rien ne peut justifier cela. Donc je veux que dans cette église, vous soyez des hommes et des femmes pleins d'amour. Ayez de la miséricorde pour les autres. Les gens souffrent autour de nous. Notre rôle en tant que chrétien, c'est de leur exprimer l'amour de Christ. Notre rôle en tant que des enfants de Dieu, c'est de leur montrer que nous avons connu le Seigneur et voici ce que le Seigneur nous a appris. Il nous a appris à partager le peu qu'on a. Il nous a appris à ne pas voir quelqu'un qui est malade et passé. Il nous a appris à secourir celui qui est nu, à habiller celui qui est nu. C'est cela l'essentiel dans la vie. Ce n'est pas les voitures l'essentiel dans la vie. Ce n'est pas la réussite matérielle. Jésus, il est né dans une bergerie au milieu des moutons. C'est dans ça que Jésus est né. La Bible dit qu'il a laissé la gloire du ciel et il est venu naître dans une bergerie au milieu des moutons. Mais même au milieu des moutons, lorsqu'il devait naître, ça a bouleversé tout Israël au point que même le roi Hérode envoyer des gens pour aller chercher Jésus au milieu des moutons. Alléluia. La Bible dit Jean-Baptiste, il était dans le désert. Il se nourrissait
de sauterelle. Il était sale, il n'avait pas d'habit. Il vivait dans le désert, mais dans sa pauvreté, la Bible déclare que parmi les hommes qui sont nés avant lui, là, il y a eu des Salomon qui ont été les plus riches, il y a eu des David, il y a eu tous les Abraham. Mais Jésus dit, il n'y a pas de tous les hommes qui sont nés avant Jean-Baptiste, il n'y a pas un qui est plus grand que Jean-Baptiste. Dans sa misère, dans sa pauvreté, Jean-Baptiste a bouleversé son temps. Qu'est-ce que je suis en train de vous dire? Ça ne dépend pas du matériel. Sortez de cet évangile du matériel. Si Dieu vous en donne, gloire à Dieu. Mais ce n'est pas ça. Cultivez les valeurs de Dieu. Cultivez les pensées de Dieu. Aspirez à ressembler à Dieu. Et dans votre pauvreté, dans votre misère, des gens quitteront les contrées pour venir s'asseoir devant vous pour dire, il faut aspirer à ressembler à Jésus. Même lorsqu'ils sont venus l'arrêter dans le jardin de Gethsémané, son disciple Pierre avait une épée. Il a enlevé l'épée. Il a coupé l'oreille de l'une des personnes qui était venue l'arrêter. La Bible dit que Jésus lui a ordonné de remettre son épée à sa place. Même lorsque lui, on lui faisait du mal, même lorsque lui était en danger, il ne s'est jamais écarté de ça. La marche dans l'amour. Nous sommes ses disciples, nous sommes ses enfants. Nous devons apprendre ça. C'est par ça que le monde reconnaîtra que nous sommes enfants de Dieu. Ce n'est pas par nos voitures, ce n'est pas par nos Weston, ce n'est pas par nos avions, mais c'est notamment par l'amour que nous manifestons. Alléluia. Décidons-nous à mener une vie d'amour. Décidons-nous, prenons la décision à marcher dans l'amour. Quand tu décides de marcher dans l'amour, même lorsque les gens sont en faute, tu trouves toujours des justificatifs pour excuser leurs erreurs. Alléluia. Alléluia. Parce que tu décides toi-même de ne point faire du mal à un homme comme toi. Ta mission, c'est de sauver les hommes. Ta mission, c'est de les attirer à Christ. Si tu as un voisin qui ne connaît pas le Seigneur, il ne reconnaîtra jamais que tu es chrétien parce que tu es le plus sapeur du quartier. Ce n'est pas vrai. Il ne reconnaîtra jamais que tu es chrétien parce que tu es la plus grosse voiture du quartier. Ce n'est pas vrai. Même si tu écris Jésus en gros caractère, tu écris ici, c'est 100% Jésus sur le mur de ta maison. Ce n'est pas ça qui va le déterminer à reconnaître que tu es un chrétien. Mais il attendra de voir tes œuvres. Il attendra de voir l'amour qui est dans ton cœur. Il attendra de voir si tu es impliqué dans la méchanceté des hommes ou pas. Il attendra de voir la gloire de Dieu qui sort de ton cœur. Ton amour, ta compassion pour tes voisins, pour tout le monde, c'est ça qu'il va regarder. Ce sont les œuvres que tu vas produire qu'il va regarder. Et c'est ce qui fera qu'il dira assurément, cet homme est un fils de Dieu. Assurément, cette femme est une chrétienne. Alléluia. Et l'un des critères pour qu'on vous reconnaisse, vous devez prendre cette décision, bien-aimé. Peut-être qu'avant, tu ne savais pas, tu étais impliqué dans tout et n'importe quoi. Dans toutes sortes de palabres, de critiques, dans toutes sortes de complots envers les hommes. Mais aujourd'hui, Dieu t'interpelle, frère. Dieu t'interpelle. Il te dit que ça n'est pas de lui. Quelle que soit la façon dont tu justifies ça, quelle que soit la façon dont tu expliques ça, Dieu dit que ça ne vient pas de lui. Il dit, ce qui vient de lui, c'est l'amour. Et l'amour ne fait point de mal à des hommes. Alléluia. Alléluia. Marchons dans l'amour. Marchons tous dans l'amour. Décidons de marcher dans l'amour. Décidons de vivre dans l'amour. C'est une décision. Les gens peuvent venir critiquer d'autres personnes auprès de toi. Mais c'est toi qui décides. Tu dis, moi, ma bouche ne tuera aucun homme. Tu te lèves, tu quittes là, tu t'en vas.
Alléluia. C'est une décision personnelle que vous devez prendre. L'amour ne fait point de mal à son prochain. La Bible dit point. 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 Donc, au milieu de nous ici, il ne devait pas avoir de palabres, de division. Lui, il a dit ça sur moi. Il a parlé comme ça sur moi. Lui, là, m'a fait comme ça. C'est pas des choses qu'on doit trouver au milieu des enfants de Dieu. Au milieu des enfants de Dieu, on doit trouver la loyauté. On doit trouver la bonté. Au milieu des enfants de Dieu, tu peux laisser ta nourriture ici, aller te promener à jamais revenir, sans avoir peur qu'un frère a pu t'empoisonner. Lorsqu'on franchit l'église, on doit être dans une certaine assurance. La chose qui doit régner au milieu de nous, c'est l'amour de Dieu. Alléluia. Alléluia. Moi, j'ai décidé que de toute ma vie, il n'y a aucun homme qui viendra m'accuser un jour pour dire j'ai manœuvré pour le détruire, pour l'anéantir. Faites enquête. Allez enquêter partout. Et c'est ce que j'inculque à ma famille. C'est ce que j'inculque à mon épouse. C'est ce que j'inculque à mes enfants. C'est une décision que vous devez prendre. Lorsque vous décidez de marcher dans l'amour et de ne pas faire du mal aux autres, quand bien vous avez la possibilité de détruire ces personnes et que vous décidez que ma main ne sera pas salie, Dieu lui-même, il devient votre vengeur. Alléluia. Alléluia. Prenez cette décision et laissez Dieu régler les autres choses. Lorsqu'on venait au quartier ici, des jeunes gens ont manœuvré, ils nous ont escroqué près de 700 000 francs pour qu'on soit sur un terrain. À l'époque, j'avais la possibilité de détruire ces personnes, les anéantir même pour toujours. Lorsqu'on a su qu'on avait été victime d'une escroquerie, on a béni le Seigneur et on a dit, si Dieu a permis, c'est que Dieu sait pourquoi il a permis. Leur escroquerie nous a permis d'être dans ce quartier à l'époque et des âmes ont été sauvées, des personnes ont été délivrées dans l'escroquerie. J'avais la possibilité de les détruire, les anéantir totalement, mais j'ai dit, ma main restera propre jusqu'à la fin de mes jours. Je n'ai pas levé le moindre petit doigt. Un jour, maman va à la prison pour aller faire des dons là-bas comme on le faisait. À l'époque, au niveau de l'église, on a cotisé, ils sont allés faire des dons. Ils sont allés en prison. Ils sont allés tomber sur un qui était parmi ceux-là. Le papa même, le père, entre les mains de qui on a mis l'argent, qui jouait au père, ils sont allés le trouver en prison. Et lorsqu'il a expliqué le temps qu'il a fait en prison, ça faisait environ combien, peut-être 8 mois. Et lorsqu'on a calculé le temps là, c'était pratiquement... C'est-à-dire que quand il a fini avec nous, peut-être les semaines qui ont suivi, il allait peut-être faire ça ailleurs ou bien pour un autre truc et ils l'ont pris, ils l'ont jeté en prison. Il était jusqu'aux dernières nouvelles, il était encore en prison. Mais ça, moi mes mains sont pures, alléluia. La Bible dit l'amour ne fait point du mal à son prochain. Est-ce que vous comprenez ça? Détachez-vous du mal. Même lorsque les gens font du mal, vous, détachez-vous du mal. Son deuxième avec qui il a fait ça. Un jour, on était à la maison en prière. Dieu dit, le temps est arrivé. Yves jugeait quelqu'un dans le quartier. Il se promenait quelque part. On ne sait pas où s'est quitté sur lui. Il a été frappé, AVC, paralysé. Il est resté dans le coma, il ne sait pas pendant combien de temps. Après, il me cherche pour venir prier pour lui. Il dit, non, Dieu dit de ne pas prier pour toi. Je veux bien, mais Dieu ne veut pas que je prie. Je crois même que jusqu'à l'instant où je vous parle là, il est toujours malade. Je leur ai dit, si tu ne me crois pas, va dans une autre église, ils vont prier. Et puis maintenant, comme c'est même Jésus là, va, mais moi, Dieu m'a dit, n'aie pas même ma main sur toi. Donc, débarrassez-vous du mal. Si les gens vous font du mal et que vous ne répondez pas, si vous craignez Dieu, ces personnes-là payeront tôt ou tard. Mais que vos mains là ne soient pas impliquées là-dedans. L'amour ne fait point de mal à son prochain. 2019 là, décidez de vous séparer de ça.
Lorsque tu acceptes d'aller pécher avec quelqu'un, non seulement tu te fais du mal, mais tu es en train de faire du mal à la personne parce que tu es en train de tracer sa route vers l'enfer. Et si la personne la meurt sur toi dans l'autel? Et si la personne la tombe dans l'autel? Et si pendant que tu sors de l'autel à lui, une voiture le frappe qu'il meurt? Tu aurais été complice de l'arrivée d'une âme en enfer. Donc tout ce que vous devez faire, cherchez plutôt à savoir si ça va faire du mal ou ça va faire du bien. Si ça fait du bien, faites-le. Mais tout ce qui est mal, tout ce qui est mauvais, lavez vos mains de ça. Alléluia. L'amour de Dieu qui est dans vos cœurs, que Dieu a déposé dans nos cœurs, ne fait jamais du mal aux hommes. Amen, amen. Alléluia. Donc on ne trouve pas au milieu de nous les critiques, les médisances, les calomnies. On ne doit pas trouver ça au milieu de nous. Parce que les critiques, les médisances rabaissent les hommes. Les critiques, les médisances rabaissent les hommes. Donc on ne trouve pas cela au milieu de vous. Qu'on ne trouve pas cela au milieu de nous. Que nous puissions nous aimer. Écoutez-moi, je dis ça tous les jours et pour terminer. Le lien spirituel qui vous lie, vous et moi, il est plus important que même le lien de sang qui vous lie à des frères et à des sœurs. C'est une ignorance que des gens fassent passer leur famille de sang avant leur frère en Christ. C'est une marque même d'inconversion, c'est tout. Le lien qui te lie à ce frère-là, ce lien va perdurer même après la tombe. Si vous deux vous êtes convertis, quand vous quitterez cette terre, vous allez vous retrouver au ciel pour l'éternité. Le lien de sang finit à William Civil. Alléluia. C'est pourquoi Jésus disait, nul ne peut être mon disciple s'il ne me préfère pas à son père, à sa mère et tout ça. Parce que le lien est Jésus, il est éternel. L'autre l'a fini à William Civil. Même si on est milliards à t'accompagner, mon ami, quand on t'a mis dans le trou là, nous on t'a laissé, on est parti. Hein? Si tu viens dans nos rêves même, maintenant nous on courit même pour te laisser rêve là. Ou bien, c'est quelqu'un qui dort et puis il voit, est mort et puis il est content et puis il vient. Non, je te réveille, mais il n'a qu'à rester dans le rêve là, toi tu es sorti, tu es parti. Alléluia. Donc tout ce que vous devez faire, vous devez penser à toutes ces conséquences-là. Quand il finit de le gâter, là, qui a gagné? Est-ce que c'est Jésus qui a gagné? Est-ce que ça apporte quelque chose à Jésus? Ou bien est-ce que c'est le diable qui se réjouit? Si vous vous posez ces questions-là, vous verrez que les gens vont plus vous reconnaître au gâter ici. Alléluia! Alléluia! Dieu peut compter sur toi. Acclame le Seigneur, que Dieu te bénisse. Dans ma marche pour le ciel, tout peut sombrer. Si la peur met des doutes sur ma